et bienvenue à cette session d'information. Une délégation du Sénat conduite par le président de cette institution, Modeste Batilou Pouébo, reçue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien après, le chef de l'État a accordé une audience au chef traditionnel de l'espace Lunda. L'entretien a tourné autour du bien-être de la population. Patrick Michel Mukui, Koko Molisho et Roger Dey. Faire un état des lieux et recevoir les orientations du garant de la nation, voilà ce qui explique la rencontre entre le bureau du Sénat et le chef de l'État ce samedi dans la soirée. Le président de la Chambre haute qui conduisait son équipe a détaillé à l'attention du chef de l'État une situation peu reluisante, selon ce propre terme, de la gestion de l'institution leur léguée. Des entretiens avec le président de la République, Modeste Bahati retient une vision claire. Le chef de l'État nous a prodigué des conseils et nous a donné des orientations. Il veut que réellement ce pays puisse casser ce paradoxe d'un pays qui est doté d'autant de potentialité, potentialité naturelle, potentialité humaine, mais avec un peuple qui est parmi les plus pauvres du monde. Et donc, nous tous, et lui, et nous tous qui sommes dans les institutions, nous devons y travailler. À 48 heures de la rentrée parlementaire, les sénateurs le savent, ils auront des réformes sur leur table. La particularité, c'est qu'il y aura beaucoup de réformes, et le chef de l'État les a rappelées. Ces réformes touchent en tout cas au système de gouvernance du pays, les réformes en ce qui concerne le secteur économique pour booster notre économie de manière à attirer les investisseurs, mais pourquoi pas aussi établir un bon climat des affaires. Le bureau du Sénat promet un contrôle sérieux avec des sanctions exemplaires. 28e de la succession dans la lignée de chef Lunda, le Montiaf Mouchi III a été honoré par le chef de l'État, qu'il a reçu en audience. Ce chef traditionnel a exposé au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi quelques problèmes que rencontrent les populations congolaises, particulièrement celles de son espace. Montiaf est venu voir le président sur son invitation pour échanger un peu autour de ce qu'on peut faire de bien pour la population. Son slogan à lui, c'est le peuple d'abord. Donc le peuple a beaucoup de problèmes. Et on a épinglé, on a discuté autour de ces différents problèmes pour voir ce qu'il peut faire. Et il m'a annoncé certaines choses, notamment des messages pour ma population. Et pour ces choses-là, je n'ai pu faire autrement que le bénir. Le pouvoir traditionnel Lunda s'étend sur les provinces congolaises de l'espace Kasaï, le Bandundu et le Grand Katanga. Le grand chef Lunda règne aussi dans quatre provinces de la Zambie et de l'Angola, ainsi que dans une province de la Namibie. Asphaltage route Virunga de Rigini, longue de 585 mètres qui relie la route bypass à l'avenue de l'université par l'OVD. Les travaux sont terminés. Le directeur général Victor Ntumba Tshikela est descendu sur terrain pour s'assurer de la fin de ces travaux. Willy Atunakov. Longtemps dans un état de dégradation très avancé, l'avenue parc de Virunga au quartier Rigini qui relie la route bypass à l'avenue de l'université est désormais réhabilitée par la direction provinciale de l'Office de voirie et drainage OVD sur financement du FONER, Fonds national d'entretien routier. Pour avoir une idée exacte sur l'évolution de ces travaux de bétonnage et de bitumage de la chaussée, ingénieur Victor Ntumba Tshikela, accompagné du sous-directeur technique de la DPK, ingénieur Jules Okisoso, est descendu samedi 13 mars 2021 sur cette route de contournement devant permettre de dégager les embouteillages monstres observés à des heures de pointe sur bypass entre Triangle et Rond-Point Gaba. Nous ne pourrons que nous ne cesserons pas de remercier le chef de l'État. Parce que c'est dans sa vision que nous sommes en train de faire ces travaux. Parce qu'il y avait déjà un débit d'érosion. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est presque à la fin de ces travaux, qui consistaient d'abord à faire un décaissement là où il y avait un grand trou. Et cette zone, nous avons jugé de bétonner, compte tenu aussi de la pente qui est trop forte. C'est une grande déviation, une déviation importante. Parce que pour soulager le trafic sur le bypass, les gens préfèrent passer par ici. D'ici fin mars, plus précisément vers le 29, on peut ouvrir ces tronçons à la circulation, étant donné que nous attendons que le béton puisse être mature.
Un motif de satisfaction et de soulagement pour les habitants du quartier Rigini. Je tiens vraiment à remercier l'entreprise ou la compagnie, donc l'initiative du chef de l'État par rapport à la récupération et créer des routes secondaires. Puisque celle-ci que vous voyez qu'on est en train de réhabiliter aujourd'hui était à un état de délabrement le plus avancé. Je peux compter 3 ou 4 maisons déjà en voie de disparaître. Concernant d'autres points chauds et artères principales en état de dégradation très avancé, les directeurs généraux de cet établissement public rassurent les Quinoises et Quinois quant à leur réhabilitation progressive déjà programmée par rapport aux moyens financiers mis à la disposition de l'OVD. Pierre Mbouyou a mené une enquête en ce qui concerne les anciens Bistransco. La réponse, c'est dans ce reportage. L'acquisition par la firme Transco de nouveaux bus, dont du gouvernement dans son accompagnement social à cette structure du transport en commun, a été saluée par tous les usagers routiers congolais. Tout en saluant cet effort patriotique des autorités du pays, la population caresse le vœu de voir la cristallisation des axes phares d'une bonne gouvernance des 10 engins afin d'éviter un cimetière de bus à Transco. Ces bus que vous avez appelés les cimetières ont plus de 400 000 km. Pour un véhicule qui atteint cet âge-là, ce que nous appelons l'âge technique, c'est-à-dire il est à la fin de sa vie. Donc c'est un véhicule amorti. Mais sur l'amortissement comptable, ça c'est une chose. Mais l'amortissement technique, c'est ce qui est plus important. Ces véhicules ne sont pas totalement morts. C'est-à-dire qu'ils ont atteint un certain âge qui nécessite la rénovation. Ils vont ressusciter. Mais pour le bus qui vient d'arriver, les 440, nous espérons et nous sommes sûrs, les 440 feront aussi long feu sur la route. Un grand merci d'abord au chef de l'État de nous avoir permis d'avoir le lot des 440 bus que nous avons réussi. Mais je vous rassure que sur le premier lot, nous sommes en train de travailler. Nous sommes dans l'atelier où il y a plusieurs ateliers. Ces pièces, ce sont des pièces que nous avons mis de côté, des pièces que nous reconditionnons, des pièces qui font rouler les bus. Ce ne sont pas des pièces à jeter. À 3h du matin, nous avons déjà une très grande équipe qui circule, qui fait le checking matinal. Il y a un cahier de charges, il y a une fiche de contrôle technique pour un engin. Mais tous les bus ne sont pas des bus cimetières. Vous verrez même dans la rue, vous verrez des bus Mercedes en train de circuler. Avec un chariot automobile estimé à près de 750 bus, dont près d'un tiers en circulation dans les réseaux urbains, interurbains et interprovincial. D'autres en checking technique avec des recyclages et la formation des chauffeurs et une bonne partie en réparation. La firme Transco s'engage à offrir à tous les usagers routiers congolais un service de transport plus meilleur qu'avant. La jeunesse Hemba a organisé une conférence sur le thème entrepreneuriat féminin face à la COVID-19, approche d'autonomisation par la création d'une activité génératrice. Reportage Ricky Njuziloya. Les pieds en mouvement au rythme de sa machine, Jaël est couturière depuis la fin de ses études secondaires. Pour maintenir le contact avec ses potentiels clients, elle est obligée d'utiliser les réseaux sociaux en permanence. Depuis quelques années, Facebook est devenu son allié de tous les jours. La raison est simple, c'est gratuit. Avec la crise sanitaire causée par la pandémie à coronavirus, ils sont de plus en plus nombreux à recourir à ce service gratuit de Facebook. Par rapport à la dépense, on doit ça là, donc échanger vraiment. C'est un homme nécessairement plus pour l'Amérique. Depuis une gratuité, il y a Facebook, il y a mon bomba, donc bien par rapport à l'émotion. Depuis plus de 5 ans, le géant américain multiplie les investissements en matière de connectivité en RDC pour réduire la fracture numérique existante. Le plus important projet reste l'intégration du pays au câble sous-marin de Africa, destiné à desservir 23 pays dans le monde dont la RDC en connexion très haut débit. En partenariat avec Airtel et Vodacom, Facebook a aussi réalisé la première route de fibre optique à longue distance privée de la RDC,
qui va de Luanda à Matadi. La majorité de ces investissements sont des investissements d'infrastructures de base. On se focalise d'abord sur l'infrastructure, sur la connectivité, et après, une fois que la personne est connectée, elle peut utiliser beaucoup plus d'applications qui ne sont pas nécessairement de Facebook. Pendant ce temps, les efforts du gouvernement se multiplient et devraient porter de fruits en 2021 avec le démarrage de la construction d'un réseau national à fibre optique de plus de 16 000 km. La multiplication de ces initiatives devrait permettre à la RDC de mieux faire face à son grand déficit en matière de connectivité. Vous venez de suivre la Facebook 100 mégas, c'est possible. Il suffit d'aller sur le Facebook gratuit et le tour est joué. Voilà. La jeunesse Hemba a organisé une conférence sur le thème entrepreneuriat féminin face à la COVID-19, approche d'autonomisation par la création d'une activité génératrice de ressources avec une plus-value. Reportage Rikin Juziloya. Pourquoi entreprendre? Cette question a trouvé sa réponse au cours de la conférence des hauts niveaux organisée par la jeunesse Hemba à marge de la célébration du 8 mars, date dédiée à la lutte pour les droits de la femme. C'était vraiment plus une motivation aux jeunes dames motivées qu'il faut entreprendre en tout temps, en toutes circonstances, malgré le contexte, difficile ou pas. Il faut de toute façon entreprendre. Luka Magnota Nyembo, première oratrice dans le thème entrepreneuriat féminin face au Covid-19, estime qu'une femme qui décide de créer une activité pour répondre à un besoin réel dans sa société, cette femme devient autonome. L'entrepreneuriat permet à la femme de gérer sa carrière professionnelle face à la vie conjugale et équilibrer sa vie familiale, a martelé Irène Bissimoua dans son exposé « S'il faut s'en tenir aux préjugés et autres stéréotypes pour apporter une plus-value ». La vice-présidente de la jeunesse Hemba, en charge du genre, a au cours de l'espace public, entrepreneuriat, présenté différents produits, fruits de la créativité des femmes et filles Hemba, dont des jus, des détergents et même la nourriture traditionnelle des Bahemba, le Bunga Bwantema. Donc nous devons nous lancer toutes dans le monde entrepreneurial. Arrêtons d'être commandeurs d'emploi, mais créons de l'emploi, créons des entreprises. Exploitons ce que Dieu nous a donné, même avec la braise, même avec le pain, même avec le maïs. Aujourd'hui, tu en vends, tu achètes, mais demain, tu peux devenir fournisseur. Peu avant, le président par intérim de la mutuelle La Jeunesse, Hemba Kilonda, avait présenté son comité et les objectifs de développement ainsi que de la promotion de la femme et de la culture Hemba aux invités. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. Respectez le geste barrière pour freiner la propagation du coronavirus. Merci et à bientôt.